Et va battre ton sang. Et nous, tiens, tiens. Et nous, tiens, mon vieux. Fini. Fini. Oh, que tu es pénible, mon Dieu. Allez, viens. Regardez, non, c'est une guerre. Viens, viens. Allez, on va se mettre à la patte. Allez. Allô, j'ai l'oubli. Allô. Allez, à la patte. Allez, non, mais je l'oubli. Papa. Excusez-moi, ma belle, je vous avais pas vu. Ça peut arriver, quoi. Une, deux. Je te jure, regarde, si c'est bien foutu, il n'y a pas de temps. Qui se fait veuve, justement. Luciel, viens ici. Alors, t'as pas fini de t'exhiber. Tout le monde te regarde, voyons. T'as pas honte. Oh, c'est stupide. Il est pas mal déjà plus mal. Oh, il est jaloux. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Je n'aime pas ce seigneur-là. Oh. Oh non! Ne sois pas jaloux, et toi, je n'ai qu'un amour, c'est toi. Il faut me raisonner, tu dois me pardonner, quand un autre me dit que je suis belle. Les aveux les plus flatteurs n'ont jamais troublé. Le journal le plus mondain devait être naturellement désigné par le comité des fêtes de Saint-Sébastien pour choisir la plus belle femme de France. Mademoiselle qui passait dans la rue et qui écoutait, c'est peut-être vous, Miss Europe. Thank you.
Mademoiselle, passez dans la rue et qui écoutez, c'est peut-être vous, Miss Europe. Un instant de décision, et demain vous représenterez sous le ciel ardent de l'Espagne la grâce et le charme français. Allons, n'hésitez pas, envoyez deux photos de vous, deux photos seulement, au globe, pour la ligne, pour l'académie, un maillot de préférence. Allons, bien, Lucienne. Vous le regretteriez toute votre vie, allons, mademoiselle. Viens donc. Si jeunesse savait. Une côtelette sauce et un porc salut. Voilà, une serviette. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, Alfred. Bonjour. Venez, entraînons par ici. Là, vous serez très bien, là. Comment, petit Antonin? Oh, ce n'est pas une cravate, c'est un lacet. Sa boulette, mon vieux. Non, je remouche seul. Je vous présenterai. Deux couverts. Tu me défigures. Et voici la carte. Merci. Deux serviettes. Voilà. Merci. Merci. Avez-vous du grain à l'aube? Ah non, il ne m'en reste plus. Et je vous recommande le bœuf bourguignon. Très avantageux. Ça. Avez-vous de l'andouillette? Ah non, la dernière vient de partir. Il est fauché dans le palace. Ah, toujours le mot pour rire, monsieur André. Avez-vous du potage alors? Ah, mais oui, bah oui. Alors, deux potages. Deux potages. Une cervelle pour la jeune fille. Oui. Un mouton pour moi. Ça marche. Un boc et bon. Une demi-rosée. Parfait. Et puis c'est tout. Bon. Et monte le pain de la bouche. Qu'est-ce que c'est que ces poules-là? Concours de beauté. Moi, si j'étais du gouvernement, je interdirais ces choses-là. Parfaitement. Mais pourquoi, André? Moi, je trouve qu'elles ont bien le droit d'essayer, celles qui sont jolies. Moi-même, je pensais. Quoi? Rien. Rien du tout. Parle, voyons. Mais non, rien. Rien. Je plaisantais. Même pas que tu aies l'idée. Oh. Ah. Oh, passe la main, dit. Mon chapeau. Tu le vois le gifle, dit. Mon veston. Mon veston. Je l'avais que je sois pressé, dit court. Tiens, tiens, voilà ton topé. Je te le mets en ravageur. Alors, va d'autre chose, mon petit, c'est dégoûtant. Tiens. Ah, salut la compagnie. Au revoir. Ha ha.
avant toi. L'autre jour, Olive m'en a raconté le pire bon. Lui, que je ne le connaissais pas. Moi, je ne la connaissais pas. Alors, c'est de dire, hein, si elle pouvait être nouvelle. André! Ah, jure? Oh, comment tu fais son vache, Marquis? C'est gentil d'être venu. Jure. Et ce soir, je fais des folies. Quoi? Je vous invite à dîner, tous les deux. Et après, on ira à la fête. Et ça va? Dites oh, oui, ça va, André. Tu veux? Oh, oui. Ah, on va s'amuser. Allons. Hop, un taxi. À Neuilly, hein. Tu vas voir si elle va rigoler. Tu m'aimes, chérie? Et moi, oui. Dis-moi. Mais qu'est-ce que tu as? Voyons.
Tintanin. On voit ceux-là, ils sont comme nous, ils s'aiment, rien que deux. Alors tu veux, on y va? Allons, tu veux? Le bras, légèrement ramené, très bien comme ça. La main sur le cœur, le chapeau coquettement penché, jeune fêtard. Madame, votre main sur l'épaule de votre cher époux. L'abandon. Ne bougeons plus. J'ai tiré un portrait des rois, des reines, des femmes du monde accompagnées, mais je peux dire, ne bougeons plus. Que pour l'élégance, trêve de plaisanterie, hein? On n'a pas tous les jours des modèles aussi séduisants. Trêve de plaisanterie. Attention, très bien toute la pensée. Souriez, très bien toute la fraîcheur, toute la fantaisie. Très bien, attention, ne bougeons plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, c'est 6 francs. Merci bien. Au plaisir de vous revoir. Au promis de ces messieurs dames. Le monsieur à gauche, la dame à droite, c'est régulier, hein? Le chapeau coquettement penché, la tête rêveuse, la main sur le cœur. Madame, votre main sur l'épaule de votre cher époux, la tête câline. Ah non, pas de faiblesse, hein? Prenez un air naturel, un peu plus naturel. Très bien, nous y sommes. Dans ma vie d'artiste, ne bougeons plus. J'ai tiré en portrait des têtes couronnées, des étoiles célèbres. Mais je peux dire, ne bougeons plus. Que pour l'élégance, vous êtes vraiment hors concours. Et je m'y connais. On n'a pas tous les jours des modèles aussi séduisants. Trêve de plaisanterie, hein. Vous resterez bon longtemps. Et je donne la demi-douzaine en plus pour 2,50 francs seulement. Trêve de plaisanterie, hein. Je suis le photographe de l'amour. Madame est espiègle. Trêve de plaisanterie, hein? Madame, levez la tête. Un peu plus. Très bien. Souriez. Souriez. Très bien, nous y sommes. Ne bougeons plus. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas, mais les voix, je vous assure qu'elle est une excellente famille. Non, bah oui, mais enfin, suivez-vous. Mais on parle de ces considérations-là. Celle-ci. Oh, la vraie vie, c'est un vrai. Ah oui, la vraie vie. C'est un vrai. Bonjour, monsieur. Vous désirez, mademoiselle?
Une grande faveur. Parler? C'est au sujet du concours. Hier, j'envoyais des photographies en cachette de mon fiancé. J'ai réfléchi, il aurait trop de peine s'il savait. Rendez-moi mes photos, s'il vous plaît. Trop tard, mademoiselle. Pourquoi? Comment, pourquoi? Mais parce que vous êtes parmi les concurrentes qui ont les plus grandes chances. Tenez. Moi? Mais oui, c'est vous qui êtes la favorite. D'ailleurs, le jury délibère en ce moment. Réfléchissez, mademoiselle. Pour l'honneur du globe, vous n'avez pas le droit de vous dérober. Non, monsieur. Mais si, mais si. Impossible. Vous acceptez. Ah, vous ne savez pas ce qui vous attend. Bientôt, vous viendrez me remercier. Non. Voilà le placard, 20 lignes en 8. Et alors? Alors, entendu. À ce soir, 8h au bistrot, hein? Entendu. Dis donc, amène-toi là. Tu sais, je vais lui acheter la bague qu'elle désire tant. Je lui donnerai ce soir. Hein? Non. Et fous-moi la paix. Hein? Oh là là. Je travaille. Ah, râleur. Yes, cheap. Vite, ceci en manchette, et ça encore gras. Sur vous, cette robe est une merveille. Quelle ligne, quelle élégance. Ah, oh, vous êtes trop gentil. Celle-là. Et voyez. Oh, elles sont toutes jolies. Miss France est là. Avec si, monsieur. Bonjour. Oh. Bonjour, madame. Bonjour. Vite, 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 le train n'attend pas. Nous avons juste minutes. Le temps d'aller à la gare. Aujourd'hui plus qu'hier, moins que demain. C'est original, hein? Oui. Mon vieux, tu verras sa joie tout à l'heure. Oui. Un voyage magnifique, dans des conditions de confort exceptionnelles. C'est la célébrité qui commence. On n'en fait pas plus pour un ministre. Tenez, voilà votre sleepy. Je vous ai réservé un signe. Vous serez très bien là-dedans. Demandez le globe, 4e édition sportive. Merci, monsieur. Par ici. 4e le globe. Demandez le globe. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Par ici. Oui, c'est elle. Le globe, 4e, monsieur. Voilà. Merci. Le globe. Merci, monsieur. Demandez la sportive. Non, non, merci. Dernière nouvelle. Le globe. Demandez le globe. Ah, patron. Ah, c'est gentil. Merci, patron. Bonsoir. Le globe. Demandez le globe.
Et dites, patron, vous avez vu Mademoiselle Garnier, la petite amie du monsieur du fond qui est là, regardez. Si c'est elle. Oh, qu'est-ce que vous parliez? Non, non, oh, mais non. Attends, oui. Attends, on va rigoler. On y va. Attendez. Monsieur. Non, 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 laisse-moi parler, moi d'abord. Non, si, laisse-moi. Monsieur, laissez-moi, voyons. Monsieur, on a l'habitude de dire que la fortune vient en dormant. Pour vous, monsieur, la fortune est venue en mangeant. Je suis fier d'être le premier à vous féliciter au nom des habitués de ce modeste mais désormais célèbre bistrot de la gloire qui rejaillit aujourd'hui sur vous. Au concours de beauté, le triomphe de votre compagne fait de vous un prince consort. Je m'étonne seulement que le globe ait oublié de placer à côté de la magnifique photo que voici, la vôtre. Hein? Tu savais? Dis-moi! Tu savais? Non, c'est-à-dire une indiscrétion. Oui. André, qu'est-ce que tu as, André? Qu'est-ce que tu as, André? C'est tout un drame. Au revoir. Au revoir. Dites-moi, surtout n'oubliez pas de tout arranger auprès de mon fiancé. Mais oui, combien de fois faut-il vous le répéter? Partez tranquille, je le verrai ce soir même et j'arrangerai tout. C'est juré. Ah, vous êtes gentil. Merci. Au revoir. Bon voyage et revenez de triomphant. Merci. Au revoir. Bon voyage. Merci. Mademoiselle. Oh, mais oui.
pardon. Vous ne fumez pas? Toutes les femmes fument. Non. Voulez-vous faire remarquer? Merci. Nationalité de Saint-Sébastien est ouvert. 10 nations nous ont envoyé leurs plus gracieuses ambassadrices de beauté. Miss Angleterre, Miss Angleterre, Miss France, Miss France, oui Miss France, ah Miss France, ah les pêcheurs. Mesdames, messieurs, préparez-vous. Les jeunes reines de beauté vont défiler devant vous, d'abord ensemble, ensuite une à une. Mesdames, messieurs, c'est vous qui désignerez la plus belle. Pour la première fois, un concours de beauté se déroulera sans jury officiel. D'énormes chronomètres enregistreront la durée de vos applaudissements. La concurrente qui obtiendra les plus longs sera l'élu. Allô, allô, le défilé des reines de beauté commence.
Allô, allô, Miss Angleterre. Ça va être un régal. Oui. Miss Angleterre. Bravo! Bravo!
cela, il faut des années pour les apprendre. Ah. Mesdames et messieurs, cette journée consacrée à la beauté va se terminer par une apothéose. Un tango en l'honneur de la reine du jour, Miss Europe. Me ferez-vous l'honneur de danser? Je vous enlève enfin. Fait beaucoup de jaloux parmi vos admirateurs. Vaste que l'Europe, mais y vivre sans vous serait un dur exil. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mon bonheur est entre vos mains, décidé. Excusez-moi, Excellence, mademoiselle. Qu'y a-t-il ? Quelqu'un vous demande. Qui ? Il n'a pas voulu dire son nom. C'est un jeune homme qui arrive de Paris. André! Il m'a paru assez nerveux. Je l'ai fait monter dans votre appartement. Oh! Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Je vous en prie.
ça, mon chéri. Oh, quelle surprise de te voir ici. Oh, que je suis contente. Elle n'est pas fâchée, au moins. Méchant garçon. Oh. Elle te plaît, ma robe? Jolie, hein? Viens voir. Regarde mes toilettes. Tiens. Robe du soir. Jolie. Et celle-là? On m'appelle au téléphone. Allô? Oh, c'est vous? Quoi? Mais oui, oui, bien sûr. Comment? Mais non, puisque je vous le promets. Voulez-vous vous taire? Quoi? Oui. Oui, je descends tout de suite. C'est entendu. Au revoir. Au revoir. À tout de suite. Au revoir. Excuse-moi, chérie. Il faut que je m'en aille. Demain, je ferai l'impossible pour rester avec toi. Lucienne, dans une heure, mon train part. Si tu ne viens pas avec moi, c'est fini. Mais pourquoi? Écoute. Non. Non. Non, tu ne partiras pas. Écoute-moi, André, tu ne peux pas me laisser seule. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ce soir ou jamais. J'étais inquiet. Rassurez-vous. Qu'avez-vous? Mais rien, rien. Ce n'est pas vous que j'aime. Mais si, Lucienne, vous m'aimez, soyez sincère. Non. Et je ne veux plus jamais vous revoir. Lucienne. Écoutez-moi, vous ne ferez ni son bonheur, ni le vôtre. Thank you.
chérie. Bienvenue. J'avais si peur. Veux-tu m'embrasser? Là. Thank you.
être froide. Mais ta soupe va être froide. Viens. Voilà assez. Je ne veux plus entendre parler de Miss Europe. Tu as compris maintenant? Chérie, je t'en supplie. Je t'aime. Je t'aime tant. Oui. Je n'ai pas voulu te faire de mal. Oui. C'est fini. C'est fini. Cher ami. Vous n'avez pas changé, Miss Europe. Je ne vous dérange pas? Puis-je entrer? Whisky? Oh, pardon. Pardon. J'ai déjà entendu cet air quelque part. Avez-vous cherché à me refaire? Que venez-vous faire ici? La Société internationale de films sonores, intéressée par vos essais parlants de Saint-Sébastien,
m'a chargé de vous faire des offres avantageuses. On veut faire de vous une grande vedette. Voici le contrat. Vous n'avez plus qu'à le signer. Non, je ne veux pas. Je ne signerai rien. Jamais savoir. Réfléchissez. Voici ma carte avec mon adresse. Allez-vous-en. Oh. Madame, thank you.
Lucienne. 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 Tout à fait épatant. Voilà, monsieur. Tenez, voilà le communiqué. Ce soir, projection et ses sonormisseurs. Parfait, c'est parfait, oui, oui. D'urgence dans tous les journaux. Oh, entendu, j'irai la chercher ce soir et je vous l'amènerai. Et Lucien, pas trop fatigué. Non, ça va. Allons, au travail. Eh ben, on remet à ça, hein. Thank you.
Je voudrais parler à Miss Europe. Allô? Allô? Il y a quelqu'un en bas qui demande à parler à Miss Europe. Bon, elle peut pas venir. Oui? Je vais lui dire. Bon. Impossible. Elle est dans la salle de projection, on ne peut pas la déranger en ce moment. Parfait. Oh, celle-ci. Très jolie. Regardez celle-ci. Et celle-là encore. Quel lancement. Très belle.
même t'avoir dit au revoir. Le cœur d'une femme cause bien des drames. Ma plume s'est toujours sans le vouloir. Ne sois pas jaloux, c'est toi. Je n'ai qu'un docteur. Il faut te révéler, tu dois te pardonner. Quand une femme dit que je suis belle, les aveux, les plus flatteurs n'ont jamais trouvé. Oh.